What, tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo unboxing en fait d'une enceinte, mini enceinte portable Homemaker. Je ne suis pas du tout déçu de cette enceinte là, donc je vais vous montrer des images sur l'écran, surtout de son prix, c'est vraiment pas cher puisqu'elle est à 41€. Je vous donne direct le prix, mais c'est un truc de dingue puisque je vais vous faire tester là juste après eh bien la qualité de cette enceinte là. Certes pour 41€ les basses et tout elles n'y sont pas vraiment encore, mais franchement on a vraiment un bon son et je vous ferai un petit test juste après. Donc dedans fourni dans la boîte, donc on a une housse de protection. Moi j'ai un petit kiff sur cette housse de protection, ça paraît peut-être un peu con mais ça va, elle est un peu doublée donc c'est plutôt cool. Donc sur l'enceinte on a au dessus donc si vous voulez un bouton donc qui sert pour mettre en pause la musique ou pour la remettre, bouton très simple. En bas si vous voulez de l'enceinte vous avez carrément donc en fait si vous voulez une sorte et bien de petites roulettes qui va vous permettre soit d'allumer et bien l'enceinte, soit de l'éteindre, soit de mettre la musique qui va suivre ou qui va précéder ou etc etc. Donc il y a pas mal de choses aussi à manipuler. C'est, sachant aussi en fait que cette enceinte là marche aussi par connexion Bluetooth ou il y a une prise jack de 3,5 mm qui est intégrée dans l'appareil. Comme ça par exemple moi ça me sert, ça peut paraître con mais des fois j'utilise souvent la prise jack pour une mini enceinte portable parce que souvent je la connecte avec une prise jack avec les deux embouts mâles donc de 3,5 mm et j'en connecte une donc un embout donc sur l'enceinte et l'autre embout en fait via l'ordinateur. Comme ça lorsque je regarde soit un film depuis l'ordinateur ou que je vais par exemple regarder des vidéos sur YouTube, et bien j'ai cette enceinte là donc qui me sert un peu voilà de mini, enfin voilà c'est une mini enceinte portable mais la qualité n'est vraiment pas décevante. Et donc ce que je vais faire là tout de suite en direct, je vais activer la Bluetooth depuis mon BlackBerry et mettre une petite musique, sachant que je vais donc allumer là maintenant donc en fait la mini enceinte portable. Donc je l'ai montré, donc pour allumer la mini enceinte portable suffit donc d'appuyer sur le petit bouton. Alors en fait c'est une petite roulette mais on peut aussi en même temps appuyer dessus. La petite roulette c'est pas top, c'est pas une super bonne idée. Bien évidemment aussi je tenais à préciser qu'il y a le chargeur qui est compris dedans, mais attention il n'y a pas la prise. Donc voilà, donc l'appareil est allumé, comme on peut voir donc elle clignote donc en avec une petite LED bleue autour. Et donc ce qui veut simplement dire donc elle va rechercher une connexion Bluetooth, sachant que mon smartphone, enfin en quelque sorte donc il y a déjà, enfin si vous voulez j'ai déjà activé la Bluetooth, et eh bien me propose d'accepter la demande de connexion Homemaker M075, donc je fais oui et donc là directement c'est connecté. Ça marche à peu près avec toutes les mini enceintes portables, mais c'est vrai que bon c'est assez rapide quoi, parce que j'ai absolument rien à faire, même pas à rechercher l'appareil, bah vu que je me suis déjà connecté avec cet appareil là. J'ai pu la tester et tout, en termes d'autonomie c'est pas mal pour l'instant. Après ça reste à voir hein, vraiment l'autonomie c'est peut-être sur plusieurs mois alors que là c'est sur vraiment plusieurs jours, donc je peux pas vraiment en dire, mais déjà c'est un très bon point de vue là-dessus. Et puis surtout c'est l'ergonomie, j'aime beaucoup l'ergonomie, c'est-à-dire que j'ai pu tester aussi d'autres enceintes, j'ai par exemple une mini Soundlink, une Bose, même si la Bose voilà elle a un meilleur son on peut rien dire, mais le prix c'est pas le même hein. Là c'est 40€ livraison gratuite, alors c'est 41€ plus précisément. Mais que le son il est pas mal sauf les basses, il y a beaucoup plus de travail à faire, mais pour ce prix là c'est très raisonnable et moi j'aime pas critiquer, surtout quand à ce prix là t'as un truc comme ça, je ne vais pas critiquer là dessus. Donc je vais mettre par exemple une petite musique qui normalement n'est pas sous copyright, c'est ça aussi c'est des problèmes. Donc par exemple je vais me mettre ici, je vais par exemple augmenter le volume hein, puisque là je dois être à 1/10. Alors avec le micro c'est pas top hein. Parce qu'il y a le micro bien évidemment. Bon et la musique n'est pas aussi assez musique pas sous copyright, donc c'est compliqué aussi. Mais voilà il y a quand même un assez bon son. On peut aussi bien évidemment donc baisser le volume depuis la mini enceinte hein. C'est des choses qu'on retrouve un peu partout maintenant. Là je vais baisser. Donc voilà, ou alors carrément l'augmenter. Donc voilà, donc c'est vraiment une enceinte qui m'a plu. Pour ce prix là c'est top. Franchement c'est super. On va mettre un peu cette musique un peu plus fort. Après c'est pas vraiment une musique aussi où on a vraiment les bases. Je vais vous mettre quelques secondes pour éviter le copyright d'une autre musique où on va entendre plus les basses par exemple. Mais les basses elles sont pas si bonnes que ça. Donc je vous ai montré aussi une autre image. En fait il y a deux haut-parleurs qui sont
Bah, l'une au-dessus de l'autre, voilà, je veux dire superposée, mais c'est pas le cas. Donc par exemple ici, j'en mets une autre. On a vodka, vodka, take another sip. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer. Alors certes, il y a le micro donc qui fait que vous ne pouvez pas vraiment évaluer en tout cas le son de cet appareil là, mais je voilà, après c'est une histoire de confiance, mais que je ouais, je voilà, franchement pour ce prix là, c'est un moi très content en tout cas de cet appareil là. Merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Dites-moi aussi dans la barre des commentaires si vous connaissez cette marque Homemaker, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Et je vois aussi qu'ils font aussi d'autres appareils, que ce soit aussi des enceintes, pas très chères, et j'en ai vu d'autres aussi peut-être intéressantes, et peut-être que je ferai des vidéos unboxing là-dessus. Merci à vous tous, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.